Non, mes projecteurs, vous savez, le traitement que j'ai eu les deux jours-ci. En fait, le traitement que j'ai eu les jours-ci me laisse sans voix. Je confirme que ce n'est pas facile de gérer les jeunes Camerounais. Ce n'est pas facile. Merde! Vous savez ce qui s'est passé? Il devait avoir une formation gratuite en montage vidéo. Ces jours-ci, je crois que nous sommes le 9, si j'ai bonne mémoire, aujourd'hui et demain. J'ai annulé la formation. Pour quelle raison? C'est-à-dire, vous vous souvenez quand j'avais fait la vidéo, j'avais annoncé cette formation. J'avais dit que tous ceux qui veulent se former, j'avais mis en contact. C'est-à-dire que quand tu mets le contact, quelqu'un te contacte, tu lui donnes le lien. Il partage le lien avec le cousin, la voisine, la nièce, l'oncle. L'oncle envoie aussi à la grand-mère. La grand-mère envoie la. On a créé trois groupes. Un groupe qui était dirigé par moi et deux groupes par mes enfants. En quelques jours, bam, on a eu 372 personnes dans les trois groupes. Mon groupe, particulièrement, comme je n'étais pas trop occupé, moi, je n'étais pas trop libre, j'ai eu peut-être 40, une quarantaine. On est surpris que, comme on était tellement occupé, on était en train de couvrir un événement, on est surpris que, quand on ouvre le groupe, qu'est-ce qu'on constate? Les gens, parce que la condition était que les 50 premières personnes, les 50 premières personnes à intégrer le groupe, on bloque le groupe, on n'envoie plus le lien à personne. Rien que quelques jours qu'on a laissé le groupe, les liens là, les gens ont partagé. Tu ne sais même pas comment les gens ont fait pour intégrer le groupe. Le désordre a donc commencé. On ne sait plus sur quelle mesure sélectionner les gens qui vont participer à la formation. Maintenant, on a décidé donc que bon, comme le désordre a commencé, puisqu'on ne peut pas enlever certaines personnes, si tu commences à enlever quelqu'un, c'est le mépris. Parce que tu ne sais même pas qui a intégré le groupe. C'est comme ça qu'on décide donc, avec mon équipe, on réfléchit, on dit que fixons la formation à 5 000 pour éliminer certains. J'ai donc annoncé dans le groupe que la formation va coûter 5 000. Si quelqu'un n'a pas le logiciel, il paye 5 000. Si tu as le logiciel, tu viens suivre ta formation avec 5 000. Ça a créé une bombe. Les gars m'ont insulté. C'est que les mots que je n'ai jamais suivis depuis que je suis né. Les gars m'ont lavé dans les groupes. Parce que moi, j'ai senti le danger là dans mon groupe. J'ai fermé le groupe. Comme mes gars avaient laissé leur groupe ouvert, j'étais dépassé. Et ce qui me surprend, c'est que c'est tellement facile de manipuler notre jeunesse. C'est une personne ou une deux qui suit tout un groupe comme ça là. Et c'est la même personne qui a intégré les deux groupes. Qui détruit le groupe. Les gars sont aussi derrière, ils suivent l'exemple de celui-là. Peut-être celui-là a déjà un bon statut. Il vient faire le désordre comme ça, les autres viennent suivre. On m'insulte jusqu'au point où j'ai eu peut-être 5 personnes qui sont inscrites, mais je les ai remis leur argent. J'ai dit que non, ça vaut pas la peine. Je ne peux pas perdre une journée, 2 journées pour aller former 5 personnes, non. Je les ai remis leur argent et que non. Désolé, j'annule la formation. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je pense que les gars de la diaspora me payent même 100 000 pour la formation là en ligne, je dis que je ne suis pas disponible parce que je suis tellement occupé. J'ai sacrifié 2 jours pour former mes frères parce que je veux que mes frères essayent de faire quelque chose. Pour 5 000 francs, on m'insulte, ça me traite de. L'autre m'a même dit que quoi là, je suis un arnaqueur, un fémane. Vous pouvez imaginer. Je suis un fémane parce que je demande 5 000. La formation était bel et bien gratuite. Je n'ai jamais, ça c'est peut-être la cinquième vague de formation que je lance. Je n'ai jamais pris 5 francs, que ce soit à Douala, que toutes les formations que j'ai lancées partout là. Les gens se forment et disent, ils me disent merci, ils partent. Je n'ai jamais rien demandé. Cette fois-ci, il y a eu un désordre et je n'ai jamais eu ce délire de désordre là. On a donc fixé 5 000 pour limiter ce désordre là et voir vraiment ceux qui étaient sérieux. Mais. Les gars m'ont. Merde! Si c'est à cette allure, si vous pensez qu'en 2035, on sera émergent là, moi je dis non. Même en 2035, là, on va rester dans la boue. Avec l'esprit que les jeunes là ont. On m'insulte pour une affaire de 5 000. Juste d'autres disent qu'ils vont faire des captures, aller verser sur Facebook pour montrer que j'ai lancé la formation gratuite. Après, ils disent que les gens payent. La formation là, allez dans les centres de formation professionnelle, demandez. La formation là coûte combien?
C'est au moins 150 000 à 200 000. Le centre qui est le plus moins cher, le centre de formation professionnelle. En montage vidéo. Vous dites que vous allez me saboter. Pour une formation, je ne sais même pas. Est-ce que vous réfléchissez un peu un instant? Vous avez pensé que quand on loue la salle de Las Vegas, la salle là, s'il fallait louer la salle là, c'est combien? C'est au moins 150 000 la journée. Je prends 2 jours pour vous former. On décore, la dernière formation qui s'est passée, on a décoré les chaises où tous les gars étaient assis. Non? Il y a le vidéoprojecteur, il y a les laptops, sans compter mes deux, les lumières, qui paye? Vous m'insultez pour 5 000. Bonne chance. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.